Hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Putain, comme d'habitude, mes cheveux, c'est toujours le bordel. Du coup, dans cette vidéo, je vous présente ma sœur. Donc je vous présente ma sœur Jodie Cornelly qui jouait donc cette année à Tarbes en Ligue 1 féminine. Juste pour l'info, parce que je sais que vous avez tous demandé, elle mesure 1,93 et elle pèse... Non, je rigole. En fait, dans cette vidéo, on va faire un horse. Pour ceux qui savent pas ce que c'est exactement un horse, Jodie... Vas-y. Ok, du coup l'objectif... L'objectif c'est bah, de pas faire le mot horse, c'est-à-dire qu'en fait celui qui fait le mot horse, donc toutes les lettres, donc H-O-R-S-E, bah il perd en gros. Donc on va décider avec un shoot à 3 points, le premier qui commence. Et du coup le premier qui commence il a un ballon, il shoot, il fait un shoot le plus dur possible pour son adversaire, il doit le mettre évidemment, et son adversaire doit en fait réussir à mettre le même shoot, voilà, exactement le même shoot. S'il réussit, il récupère le ballon pour lui faire un shoot de son choix. S'il réussit pas, il a du coup une lettre. La première c'est H, une fois que t'as un H, bah la deuxième c'est O, etc, etc. Le premier qui arrive à horse, il a perdu. Est-ce qu'elle va mettre son 3 points ou pas? Elle a la pression. Oh! J'ai quand même un shoot ou pas? Bah oui! Ah, ok. Ha! 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 La meuf, elle me fait un exercice carrément. Putain, elle a bien servi à prendre la balle. C'est ça? À toi! Elle est trop contente. Elle est trop choquée de l'avoir mis en fait. C'est quoi si je connais un rebond? Et t'as un H. Ah oui. Et si je perds contre elle, j'ai la rage. On aurait dû parier un truc. On parie quoi? Ok, c'est parti, un resto. Là, elle me prend mon propre jeu. Ça, c'est mon shoot, ça, c'est vrai. Il y avait aucune chance que ça rentre. Tu sais pas faire ça, Jodie. Reste dans ton registre. Hey, elle sait pas que ça, c'est vraiment mon shoot favori, en fait. T'es prête à prendre ton H? Oh, fort. C'est pas la peine d'essuyer, hein, y a rien par terre. Puis la merde. Il fait trop le gars, genre il se met torse. Il a la pression. Il va rater. Raté. Bon. Ah oui, t'es... C'est un H quand même. Ouais. Et un truc facile, c'est dur pour toi. C'est facile. Dans les... Non, dans la ligne à 3 points, le dribble entre les jambes et tu dois faire un step back du coup. Et un truc facile, c'est dur pour toi. Ouais, bon il est un peu... Bon du coup t'as quoi? Oh. Oh. Essaye de pas relouper. Genre comme ça. Ok. Il est temps de prendre une lettre. Tiens. On te regarde. On te regarde tous là, vas-y. Normalement il n'y avait pas de dribble mais je t'autorise un dribble. Mais qu'est-ce que tu fais? Regarde si je peux dribbler ou pas, je pense pas que... Le manque de jus total. Hein? Mais pourquoi tu montes pas à un pied? Mais parce que je pouvais pas monter avec ici. Bah cette vitesse. Je peux pas dribbler. Bon bah ça lui fait un H du coup. Hein. Non. Bah si. Mais là. Bah si. Et tu t'arrives pas à reproduire. Donc il y a H à H O. Mais non, n'importe quoi. Si. En fait, elle est en train de me faire un workout. Un workout déguisé en horse. Ils sont, ils ont trop peur de perdre. Mais... Ouais, bon ça... Flotteur des lancers francs. Vas-y, tiens. Madame. Waouh. C'était avec la planche. Mais non. C'était avec la planche. Je l'ai mis avec la planche. Ouais, mais t'as pas dit avec la planche. Mais toi, toute ta vie, toute ta vie, tu triches, toi. Mais hein. T'as été trop choqué de l'avoir mis, tu sais. Tu vas vraiment faire la même chose, main gauche. Oh putain, je suis chaud. I got you, man. Il y a un gars, shit. Moi, je pense qu'elle va pas le mettre. Ah. L'échec de la meuf. Ça fait H-O à H-O. Non. Si. J'ai H,
franchement, je la voyais bien. C'est ça le pire. La démarcation du parquet, là. C'est quoi que t'appelles la démarcation du parquet? Mais là, entre deux parquets. Ah, quoi. Ok, donc entre les deux lattes, quoi. Ok. Comment tu veux essayer de vendre le basket féminin après ça? Toi, tu peux pas aller, hein. Ah putain, mais ça, c'est le ballon, ça. Comment tu veux vendre le basket masculin après ça? Non, mais ça, c'est le ballon. Ouais, blablabla. Bla, bla. Un vrai ballon, je le mets. Ouais, la démarcation de la natte, là. Bon, t'as fini avec tes démarcations, hein? Tes démarcations, ça se dit même pas. Non! Ouais, en effet. J'y allais un peu. Non, je voulais que ça fasse de l'autre côté de la planche. Avec les fesses. Ah! Tu m'as donné une idée. C'est vraiment tout? C'est ça que je. Ah non. Merci. Attends. Je pense pas. Ouh, t'es loin. Ouh! Oh, belle passe. Il y avait deux dribbles. Il va faire un dingue comme ça. Il... Ah non. T'as fait quoi du coup? Entre les jambes, les gars. Parce que franchement, je pense que ça va être magnifique. Ok. Alors, on a une première tentative. Elle a fait une grosse brique et elle m'a dit j'ai cru. Tu te fous de ma gueule là? C'est la même chose! Non, 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 c'est pas la même chose! Tu l'as fait dans le dribble! Allez, je suis sympa, je te laisse un essai en plus! Ouais! Ok! Celui-là il compte! Ok, allez! Il a pas marché? Non! Donc t'as. Oh. Moi non, j'ai où? T'as pas honte de faire ça. On m'en fout. Pourquoi t'en fais ça encore? Du coup quoi, tu t'envoies la balle contre le truc et tu fais la passe et puis voilà. C'est ça, tu t'envoies la balle contre le truc et tu te fais la passe et puis voilà. Alors l'échec de la meuf, mauvaise passe. Allez. Passe de merde, shoot de merde. Et égalité, sachant que t'as commencé. Il est vachement fellow et son truc. Tu fous la gueule, j'ai fellow. Fellow. Ça moi. C'est miss. Vas-y, fais ta croix. Voilà. Tu vas faire tous les corners comme ça ou pas? Ouais, bla 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 bla. Oh, ça c'était pas mal ça. Ça, hey, moi j'ai aimé hein. On ne passera pas de ralenti sur ça. Ok. Du coup, il te manque juste le E. Ouais. J'ai juré ces ballons ça. En fait j'arrive pas à les tenir bien comme il faut. Attention hein. Oh non. Oh, la 50 millième fois. Oh, il va encore essayer de le mettre, il va encore louper. Blablabla. Alors, mais arrête, tu veux pas. On va faire un petit inside avant. Penses-tu pouvoir mettre ce shoot, oui, ce shoot à 3 points de façon retournée dites-nous ce que vous en pensez, madame. Alors là, c'est, tu joues pour le E. Tu joues pour le E. Je veux pas te mettre la pression. Hein. Oh putain. Ah, si proche et si loin à la fois. Je veux dire, ça fait quoi H-O-R-S-E. Bon. Voilà, elle avoue sa défaite. Du coup, en fait, ça va lui faire mal par contre. Jeudi, Corneille, tu me dois ah un oui, resto. Ça va. Bah oui. On l'a dit, hein.
À quelle heure, c'est bon? What? Bon, en tout cas, voilà, c'était la fin de cette vidéo sur la défaite de l'impressionnante Jody Cornelly au 1000 layup et au 1000 hook. Donc voilà, en tout cas, merci Jody. Suivez-nous au 3-3. Ok, sur YouTube, donc les suivez. Les Open Plus l'équipe, c'est quoi? Achao. Je sais pas quelle langue elle parle. Achao, c'est en togolais, et regardez la définition, c'est pas très beau. Regardez. C'est le nom de votre équipe. Ouais, Achao. Ok, en tout cas, suivez-la sur YouTube, du coup, pendant le 3-3, sur FIBA 3-3. Et bah voilà, bah, c'était tout pour moi, pour cette super vidéo. En tout cas, bah, merci d'avoir suivi jusqu'au bout. N'hésitez pas à partager, liker, commenter, tout le bordel. Voilà, c'était cool. Et puis bah à la prochaine vidéo. Salut !